Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, et si je ne m'abuse, le 25e épisode de Highland, autrement dit le 5e mini anniversaire du Playthrough. Félicitations à ce dernier. L'épisode précédent a été l'occasion de parcourir la fin de la route de Sarah, du moins dans son cheminement classique. Autrement dit, le fait d'atteindre, on peut le voir avec le flowchart ici, pardon. Le fait d'atteindre, on en était à ces environs-là, on arrivait jusqu'au temple. Le fameux deuxième incendie du temple, hein, qui ne cesse d'être brûlé. Hein. Visiblement, les incendies sur cette île, c'est une habitude, hein, il faut croire, du moins concernant Sarah. Le premier épilogue avec le réveil et, en quelque sorte, également le... la grosse zone de flou autour de Maria, de la supposée Maria, et ensuite hop, la petite ici a marqué ending. Oui, il y a marqué ending ici aussi, tant pour moi. Donc l'épilogue 2 avec la cérémonie ici où on parle de mariage et on arrive sur la fin de cette route. Il nous reste encore une route à parcourir qui, si je ne me trompe pas, n'est accessible qu'à partir du moment où on a déjà atteint la fin de Sarah et la fin de Karen. Hein, en bref, même s'il y a eu des choses très sérieuses sur une route et sur l'autre, on va rentrer dans le vif du sujet désormais, très probablement. Et pour cela, pour rappel, il faut retourner au moment où une petite discussion a lieu entre Setsuna et Rinne, lorsque on a tout ce magnifique petit barbecue hein, sur la plage qui est en train de se faire. Et où, lorsque les routes de Karen et Sarah, ou bien de Karen ou Sarah, je sais pas exactement, n'est pas terminée, on se retrouve avec un seul choix possible. Du coup, pas forcément très intéressant, sauf que, on peut le voir ici, une fois que les conditions sont remplies, un deuxième choix apparaît. Et nous allons faire ce dernier. Donc, on rembobine tout ça temporellement, on retourne sur une version... et de Setsuna et des personnages qui l'entourent, quelque peu différente de ce qu'on a pu avoir l'occasion de connaître en creusant davantage l'iceberg du côté de Karen et l'iceberg du côté de Sarah, et nous allons répondre à Rinne que nous nous sommes d'ores et déjà trouvés. Allons-y. Qui suis-je? C'est une question que je me suis posée un nombre incalculable de fois. Je ferme les yeux et me mets à écouter. Tous les jours, lorsque je me réveille, je suis accueilli par le son des vagues, toujours le même. Un son plutôt plat, qui fait écho encore et encore. Et ce n'est pas le seul son que j'entends aujourd'hui. Karen et Sarah rient, et les sons de leur rire peuvent être entendus au loin. L'une d'entre elles est complètement obnubilée par sa détermination quant à grandir et quitter cette île, et l'autre quant au fait de se sacrifier elle-même pour la protection de cette dernière. Mais elles se débattent, toutes les deux, contre d'anciennes loyautés qui les lient à cet endroit. Et en observant cela, il y a quelque chose que j'ai finalement réalisé. Je pense que je suis Setsuna, après tout. C'est la réponse que je recherchais. Notamment maintenant que les personnes derrière toi ont commencé à utiliser ce nom pour moi. Enfin, que des personnes en dehors de toi utilisent également ce nom pour m'appeler. Peut-être... que c'était un mensonge au début, mais maintenant je suis véritablement Setsuna. S'il y a une sorte de règle qui viendrait à dire que seul un Setsuna a le droit d'exister dans ce monde, alors ce serait le Setsuna du passé qui a disparu. Non, alors ce sera le Setsuna du passé qui devra disparaître. Tu es Setsuna maintenant? Alors, est-ce que je suis désormais Rime?
C'est la vérité qu'elle n'a pas été capable de trouver seule dans l'obscurité de la nuit. Les gens ne sont pas définis par le passé, ni par le futur, ni même par le présent. Ils sont définis par une seule chose, quelque chose qui reste inchangé à travers l'entièreté du passage du temps, leur lien avec les autres. Ok. Renée penche son ombrelle, son parcelle, dans ma direction. Elle m'atteint et attrape mon t-shirt. Alors, reste là un peu plus longtemps. Et elle penche encore davantage le parasol, son bras se retrouve exposé au soleil. Là, maintenant, c'est aussi loin que je peux aller. Je n'arrive tout simplement pas à te voir comme quelqu'un de nouveau. Mais je suis sûr que le Setsuna auquel je me suis accroché va bientôt disparaître. Donne-moi un peu plus de temps. C'est ok, pour le moment. Nous allons simplement devoir graduellement construire notre courage pour pouvoir aller de l'avant. Oui. Prends autant de temps que tu en as besoin, Rinne. Merci. Setsuna. Rinne m'affiche un grand sourire. Un jour, elle m'appellera par mon nom et y croira vraiment. Et toutes les peurs viendront à quitter son cœur. Mais jusqu'alors, il semblerait que je vais être bloqué dans ce démènement avec le Setsuna, dans cette bataille avec le Setsuna du passé. M'occuper de lui, c'est ma nouvelle mission. Hé, Setsuna, Rinne. Karen revient vers nous au moment parfait. Est-ce que j'interromps quelque chose ? Rinne se dépêche de lâcher mon t-shirt. Pas du tout. Bien, ravi que vous ayez réussi à vous réconcilier. Pourquoi est-ce qu'elle m'adresse un regard de cette manière ? Dans tous les cas, est-ce que vous pourriez venir une seconde ? Nous avons trouvé quelque chose de plutôt étrange. Quelque chose d'étrange. Ah, donc ça c'était le cabanon. Et Rinne n'était pas venue avec nous dans le tronc commun de Karen et Sarah. Parce que cette fois, elle a l'air de venir. Ça va faire la différence. Karen nous emmène au sommet nord de la plage. Le sable de la côte laisse place à des rochers. À quel point est-ce que c'est encore plus loin ? Ah, désolé, encore un petit peu. Rinne, fais attention où tu marches. Oui. Je n'arrive presque pas à adresser un regard à Rinne qui... Enfin, je ne supporte presque pas de regarder Rinne, qui se tient avec un manque de stabilité fragrant sur les rochers, s'agrippant fortement à son parasol. Elle a l'air de pouvoir tomber à n'importe quel moment. J'aurais bien aimé pouvoir lui prendre la main. Rinne, ah, tout va bien. Elle a simplement glissé un petit peu, mais je vais bien, vraiment. Tout va bien. Rinne s'entête à refuser de prendre ma main. Et continue d'insister sur le fait qu'elle aille bien. Comme s'il s'agissait d'une incantation du moment... Comme si simplement prononcer ces mots allait faire en sorte qu'ils deviennent vrais. J'attendrai jusqu'à ce qu'elle en vienne à potentiellement demander mon aide. Nous continuons d'avancer avec une certaine incertitude, de rocher en rocher, jusqu'à finalement arriver à un endroit avec un déficit, une falaise très abrupte sur notre droite. Le manoir est visible loin. Serons-nous capables de faire demi-tour si nous venons aller davantage loin ? Je me retrouve à nouveau comme pris d'un certain malaise, mais... C'est cela, Rinne. Nous finissons par trouver Sarah,
qui sautille dans les alentours et nous fait des signes des bras. Et derrière elle, qu'est-ce que c'est que ça? Une maison, ou plutôt une sorte de cabanon. La structure en bois, ses murs noircis par le sel marin, enfin par le vent salé, pardon, se tient perché sur un petit plateau entre la falaise et la côte rocheuse. En le regardant, l'endroit a l'air d'être abandonné depuis un grand moment. C'est moi qui l'ai trouvé. Est-ce que c'était pas étrange? Je pensais que c'était une sorte de boathouse, de maison pour mettre un bateau dedans, un truc dans le genre au début, mais la porte est trop petite pour ça. Elles ont toutes l'air d'être incroyablement curieuses à propos de la cabane, hein, je vois. Et voilà ce qu'elles souhaitaient nous montrer. Si j'étais mon moi habituel, j'aurais peut-être suggéré d'en faire notre base secrète. En effet, ce qu'il fait dans le trou commun de Sarah et Karen. Pourquoi est-ce que je me sens soudainement abasourdi? Je veux dire, il est plutôt étrange qu'un cabanon se tienne par ici, au milieu de nulle part. Plus d'informations sur les cabanons en général, on renvoie vers la route de Sarah. C'est un endroit où... enfin, il y a tout un tas de cabanons sur l'île où étaient exilés des... ostracisés des gens avec le syndrome du flot dessus. Mais c'était pas ce qui m'embête. Pour une raison ou une autre, le fait qu'il y ait une petite hutte ici m'a l'air tout à fait naturel. En fait, cela doit être la source de mon malaise. C'est cela. Rine se met à prononcer doucement mon nom et attrape ma manche. C'est presque comme si elle sentait mon inquiétude. Hein? Tu es pas curieux toi aussi, c'est cela? Oui, je le suis. Je réponds presque par réflexe. Il est vrai que je suis véritablement curieux à propos de cette cabane, mais la source de ma curiosité est probablement un petit peu différente de celle de Karen. Nous avons un léger problème cependant. Comme l'énonce Sarah, enfin suite aux paroles de Sarah, je regarde l'entrée de la cabane, il y a un grand cadenas qui pendit sur la porte. Je vois. Voilà pourquoi vous avez appelé Riné. Ah, vous êtes si rapide à saisir la situation, c'est étonnant. Hein? Nous avons vérifié les alentours du bâtiment et il semblerait que ce soit la seule porte. L'endroit n'a pas l'air d'avoir de fenêtre non plus. Comment est-ce que j'en suis venu à savoir ça aussi rapidement? Aïe aïe aïe, est-ce que ça y est? Le fait qu'on ait un flowchart, qu'on ait des questions de retour dans le temps, de multidimension, des questions de cycle aussi qui ont été abordées. Est-ce que Setsuna est en train d'avoir les infos de toutes les routes qu'on a fait jusqu'à présent sans s'en rendre compte, pour le moment en tout cas. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'on se dirige vers cette direction en tout cas. Je pensais que Riné avait peut-être la clé. Moi ? Riné cligne des yeux quelquefois, comme si on venait de la ramener à la réalité via la mention de son nom. Oui. Nous sommes encore sur la terre des Ohala, n'est-ce pas? Ça a l'air d'être la raison principale pour laquelle elle a appelé Riné. Je suis désolé, je n'ai aucune idée d'où a pu aller la clé. Riné secoue doucement sa tête. Où est-elle partie? Bah, entrons par effraction, alors enfin, pétons la porte. Le cadenas est tellement rouillé en lui balançant des coups, l'enlever sera plutôt simple. Attendez une minute, on pourrait avoir des problèmes avec ça. Des problèmes avec qui? Eh bien... Riné écoute notre échange avec une expression quelque peu dans le doute sur son visage. Ou tout du moins, c'est ce qu'il me semble voir.
Je parie que c'était rien d'autre qu'une cabane de stockage ou un truc dans le genre. Il ne va pas y avoir quoi que ce soit d'intérêt à l'intérieur. Ok, j'en sois, regardez ça. La marée est en train de remonter, nous serions en danger si nous ne partons pas bientôt. C'est probablement l'excuse la plus pathétique. Mais c'est vrai. Voilà. Les vagues commencent à frapper les rochers. Une fois que nous en serons à marée montante ou à marée haute, notre chemin pourrait très bien se retrouver complètement sous l'eau. Semblant que nous n'ayons pas le choix et qu'il faille partir. Ouais. Je peux pas passer la nuit ici. Elles commencent toutes les deux à se rediriger vers le chemin rocailleux sans se plaindre. Elles sont probablement venues ici juste pour s'amuser un peu après tout. Allez Riné, dépêchons. Au moment où j'appelle Riné, qui se tient encore là à attendre au côté de la hutte, cela se produit. Un souffle de vent un peu plus puissant vient de l'océan et s'écrase sur Riné. Son parasol chancelle puis s'envole haut dans le ciel, emporté par la brise. Se couvrant, Riné laisse s'échapper une petite exclamation. Riné, je commence à bouger avant même de prendre le temps de réfléchir. Tournant mon dos au soleil, je me tiens devant Riné et l'enlace doucement. Elle tremble complètement. Non, tout va bien. Tout va bien. Je tiens sa tête contre ma... ou j'amène plutôt sa tête vers ma poitrine. Caresse ses cheveux et répète son incantation. Cela lui donne du courage. Cela lui dit qu'il n'y a rien à craindre, et qu'il n'y a pas besoin qu'elle soit effrayée. Mais même après l'avoir... Living it. Mais même après avoir prononcé ces mots depuis un petit moment, son tremblement ne s'arrête pas. Désolé pour ça. Je me récupère Riné, enfin je la porte. Et... ou non, peut-être pas qu'il la porte, mais en tout cas j'amène Riné sous le toit de la hutte. Sous le rebord. C'est le seul endroit avec de l'ombre qu'il reste. Je vais aller chercher ton parasol. Reste là et je reviens. Je pense qu'il a été balancé au sommet de la falaise. Peut-être qu'il serait plus simple de retourner au manoir et de lui en récupérer un autre. Attends. Je suis sur le point de partir, mais Riné me retient. Ne me laisse pas toute seule. Elle est comme un petit enfant. Un enfant perdu et confus. Ok, je vais rester ici. Comment est-ce que j'ai pu ne pas le réaliser? Riné ne sort jamais lorsqu'il y a du soleil, et pourtant je l'ai amené à faire tout ce chemin. Tout ce qu'elle avait, c'était ce petit cercle d'ombre sous son parasol. Elle a dû se sentir terrifiée de voir sa peau brûler pendant tout ce temps. Et ça la frappe d'autant plus maintenant que cet unique sanctuaire lui a été volé. Sarah Khan, désolé, mais est-ce que vous pourriez retourner à la maison et prendre un parasol pour moi? Tu peux compter sur nous. En avant, Karen. Ne va pas te faire des idées bizarres juste parce que tu es seul avec elle, Zetuna. Avec cet avertissement de la part de Karen, le duo s'en va. Je ne sais pas s'ils sont au courant de la condition de Riné. Mais elles ont probablement senti sa terreur, considérant qu'elles n'ont pas posé davantage de questions. On peut compter sur elles, contrairement à une certaine personne. Mais je suppose
que c'est ce à quoi on peut s'attendre de la part des filles des trois familles. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite? Je suis désolé d'être un tel fardeau. Nous retrouvons l'un contre l'autre. Je peux sentir sa respiration dans mon oreille. Ou près de mon oreille. Mais malgré cela, la distance entre nous a l'air d'être plus grande que jamais. Ah, tu n'en es pas un. Je ne le pense pas en tout cas. Tu mens. C'est écrit sur ton visage. Ah, je ne savais pas que tu pouvais lire le Swahili. Imbécile. J'imagine que c'est les expressions du visage. La raison. Je suis un imbécile. J'ai invité Riné à venir sur la plage. Tout en connaissant très bien sa condition. Je pensais que je la comprenais, mais je n'ai rien compris du tout. Et je pense que je ne comprends toujours pas. Je ne sais pas grand-chose d'elle. J'essaie de faire de mon mieux, mais ça ne servit à rien. Je n'y arrive tout simplement pas. Je ferais mieux de ne simplement plus jamais mettre un pied dans un lieu ensoleillé. Quel genre de vie est-ce que cela serait ? Je suis un imbécile, je n'arrive même pas à commencer à l'imaginer. Une chose est certaine cependant. Ce serait extrêmement solitaire. Ou peut-être que quelqu'un pourrait se sacrifier et attendre avec elle, dans l'obscurité. Je me demande si ce serait suffisant pour la sauver. Mais... je veux partager... la même période de temps que tout le monde. Simplement avoir une personne qui reste à ses côtés ne va pas accomplir cela. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'elle fasse d'elle-même. Serais-je capable de la sauver si j'avais été le véritable Sanzenkai Setsuna? Aurais-je été capable de lui montrer un futur brillant et ensoleillé? Riné se recroquevit de peur. Le soleil a commencé à tomber et la lumière se rapproche de nous. Le petit parterre d'ombre se réduit de minute en minute. Nos dos sont contre le mur. Il n'y a aucun endroit où fuir. Aide-moi, Setsuna. Ces mots ne sont pas dirigés vers moi. Riné ne souhaite pas mon aide. Elle veut le véritable Sanzenkai Setsuna. Setsuna. Mais tu sais, Riné, il n'est rien d'autre qu'une légende. Peu importe à quel point tu l'attends, peu importe le nombre de nuits que tu te mets à errer sur cette plage, tu ne le trouveras pas. Ce gars ne vaut strictement rien. Et maintenant, je suis Setsuna et elle est Riné. Nous n'avons rien d'autre à... Nous n'avons rien à voir, pardon, avec nos éponymes de la légende. Mais qu'est-ce que tu... Je pète la porte. Tu te sentiras mieux à l'intérieur, non? Je balance tout mon poids contre la porte à plusieurs reprises. Elle fait des craquements forts à chacun de mes coups. La rouille commence à petit à petit bouger et s'effriter. Très bien. Encore un coup devrait suffire. Arrête. Sa voix perçante transperce les airs et je m'arrête immédiatement. S'il te plaît, arrête. Pourquoi? Je suis incapable de poser la question, ou plutôt, il y a quelque chose d'autre qu'il faut que je demande d'abord. Est-ce que tu étais déjà au courant à propos de cette cabane? Un silence. Mais je pense que l'on peut partir du principe que cela vaut un oui. Quand est-ce que tu as été ici auparavant? Un silence, encore. Est-ce qu'elle a quelque chose à me cacher? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est... Elle brise finalement son silence, mais avant de pouvoir continuer, quelque chose vient soudainement s'afficher, sans se graver dans mon esprit.
Des images viennent s'afficher devant moi. Elles sont parasitées par une sorte de bruit comme un vieux film qui serait en train de tourner sur un projecteur. Elles ne sont rien. Il n'y a rien de véritablement inhabituel à propos des images en elles-mêmes, et pour une raison ou une autre, elles me mettent mal à l'aise. Et en même temps, il y a quelque chose de presque nostalgique à propos d'elles. Hein? Les images se retrouvent à nouveau disséminées hors de mon esprit, tout à coup. Je me sens momentanément quelque peu instable sur mes pieds. Mais il ne peut pas y avoir le moindre doute, je me tiens encore devant cette cabane. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est presque comme si... Une chambre d'enfant? Hein? Griné lève ses yeux pour rencontrer les miens. Elle a l'air d'avoir comme vu un fantôme. Dis-moi, Griné. Qu'est-ce que dit mon visage maintenant? Setsuna? Est-ce que elle s'adresse véritablement à moi cette fois-ci? Ou encore une fois à quelqu'un d'autre? Ou bien, est-ce que c'est ce qui est écrit sur mon visage? Je n'arrive pas à le deviner. Je ne sais rien à propos de moi-même. Après un petit moment, Karen et Sarah finissent par revenir et nous réussissons tous à retourner du côté du manoir sans davantage d'incidents. Eh bien, peut-être que ce n'est pas précisément correct. Riné ne prononce plus un mot sur le chemin du retour et elle fait absolument tout ce qui est possible pour éviter tout contact visuel avec moi. En la regardant de côté, de profil, je n'arrive pas à deviner ce qu'elle peut penser. C'est vraiment le pire Setsuna. Non mais, pour une fois, il n'y a pas eu de Setsuna là. Mais bon, on a une telle réputation. S'il vous plaît, contentez-vous de mourir. Je me retrouve là, me tenant sur le côté du chemin, à être abusé verbalement par une lycéenne et une petite prêtresse de temple. Une mère de famille, court dans les environs, portant ses courses. Elle a l'air d'être inquiète, quant au fait que si elle venait à croiser mon regard, elle serait forcée de mettre elle serait forcée de mettre un uniforme de gymnastique ou un truc dans le genre. Bon, bref, on a une mauvaise réputation. Merci. Grâce au fait d'avoir prétendu. Merci d'avoir prétendu ne pas nous avoir remarqué là. Vraiment, j'apprécie cela du fond du cœur. Si j'étais resté en arrière, ça ne se serait jamais passé. Ne sous-estime pas sa brutalité. Si tu étais resté avec eux, tu serais simplement devenu une victime de Setsuna toi-même. C'est vrai, je suppose. Attendez, est-ce que nous ne sommes pas en danger en ce moment même? Oh, j'ai fait une grande erreur. Je fais tranquillement un pas sur le côté et le duo vient s'éloigner lentement de moi. Mais vous me prenez pourquoi un ennemi de l'entièreté des femmes? Quelqu'un qui... Je ne sais pas comment le dire en... Ça met du coup quelqu'un qui fait des agressions. Comment est-ce qu'elles peuvent être aussi méchantes après que je me sois retrouvé à accepter l'effort de les raccompagner jusque chez elles? Cependant, je ne peux pas vraiment les blâmer, leur en vouloir, pour avoir tiré ce genre de conclusion. Laisse-moi seul. Avec un... regard abattu, Ridney a prononcé ces paroles, et seulement cela avant de disparaître dans sa chambre. Je parie que pour n'importe quel observateur, cela signifierait très probablement que j'en serais venu à lui faire quelque chose de dégueulasse. Peu importe le nombre de fois où je me mets à tourner la situation dans mon esprit, cependant, je
n'arrive tout simplement pas à considérer à quel moment j'ai fait quelque chose de mal. Attendez, peut-être que j'ai touché accidentellement son popotin lorsque je l'ai... Oui, donc il l'a bien porté pour la mettre sous le toit de la hutte. Donc, quand je l'ai porté. C'est ça. Ça doit être ça. Sérieusement ? Ah, mais c'est rien d'autre que son popotin. C'est pas comme si je lui avais vraiment fait mal. T'es vraiment un connard. Ah, sérieusement. Allez mourir. Super. Quelle bonne ambiance. Bon, après, Setsuna ne devrait pas être son propre avocat. Attendez, ses compétences, visiblement, mais bon. Est-ce que toucher le cul de quelqu'un est vraiment si mal? Oui. Mais bon, c'est encore autre chose. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je vous ai dit, je n'ai rien fait. Ah, ça m'a l'air plutôt douteux, tu es sûr? L'humeur de Riné a commencé à s'assombrir lorsque son parasol a été emporté par le vent. Mais je pense que ce n'est qu'après que j'eusse essayé de pénétrer dans la cabane que les choses se sont vraiment empirées. C'est à peu près à ce moment que j'ai fait cette expérience étrange. Et ça a l'air peut-être étrange, mais je me demande pourquoi je me mets soudainement... Enfin, je me sens soudainement d'humeur à mettre les choses sur la table. Peut-être que c'est parce que je suis plutôt confiant quant au fait que ces deux-là m'écouteront sans se moquer de moi. Quand j'ai essayé de péter la porte de la hutte, ces images sont apparues comme un flash à mon esprit. Les yeux de Sarah se mettent soudainement à étinceler. C'est de la clairvoyance. J'avais comme l'impression qu'elle allait dire quelque chose comme ça. Est-ce que tu veux dire que j'étais capable de voir à travers la porte? Dans votre cas, Setsuna. Cela peut-être été plutôt une question de psychométrie. La psychométrie, une forme de perception extrasensorielle qui permet de voir un objet ou un endroit, enfin l'histoire d'un objet ou d'un endroit, simplement en le touchant. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit ça. La cabane avait l'air familière pour moi avant même que je la touche, à partir du moment où je l'ai vue. C'est genre ce... déjà vous. Avec un bel accent, visiblement, vu comment c'est écrit. Ah, c'est en quelque sorte ce truc-là, ce déjà vu, n'est-ce pas? Déjà quoi? Déjà vu. Littéralement, cela signifie déjà vu, alors, du coup. Souvent, l'expression est tirée des mots français. Cela se réfère au sentiment ou à l'impression que vous avez déjà fait l'expérience de quelque chose auparavant, même si ça n'a pas été le cas. Je vois. Alors, c'était juste un déjà vu. Au moment où j'ai vu la cabane, j'ai su qu'elle avait sa place ici. La science a mis au point deux hypothèses de causes possibles pour ce phénomène. Le premier est qu'il s'agit peut-être d'un échec au niveau de notre cerveau quant au fait de processer l'information. Il apparaîtrait que de temps en temps, une nouvelle expérience se retrouve catégorisée comme un souvenir par accident. Il y a un esprit qui se met simplement à faire un faux pas en d'autres termes. Et l'autre explication ? L'autre explication est également liée aux travaux sur le cerveau, mais voyons voir. Quand vous parlez à quelqu'un d'autre, est-ce que vous avez parfois l'impression que vous pouvez prédire exactement ce qu'ils vont faire ou dire ensuite? Oui, peut-être. Le cerveau humain essaye constamment de prédire ce qui va se produire ensuite. Et quand cette prédiction s'avère être exacte, cela peut donner une impression d'avoir déjà fait l'expérience de quelque chose auparavant. C'est notamment notable, tout particulièrement notable, lorsque vous lisez un livre ou que vous regardez un film.
Dans les fictions, la majorité des répliques des personnages viennent à être écrites d'une manière plus concise que celle de vraies personnes. Le lecteur finit toujours par se retrouver à essayer de compenser les quelques morceaux manquants d'un dialogue. Et en tant que résultat, leurs prédictions peuvent devenir quelque chose d'incroyablement précis. Alors basiquement, c'est une coïncidence. Une coïncidence. Est-ce qu'on peut vraiment rayer cette expérience de cette manière ? Vous n'avez pas l'air d'être convaincu, Setsuna. Je n'en suis pas sûr. Le déjà-vu est souvent confondu avec des phénomènes plus mystérieux, comme les rêves prophétiques ou les prémonitions. Est-ce que tu impliques que ces images que j'ai vues, venaient du futur ? Pas possible, ça c'est n'importe quoi. Elle a raison, y a pas moyen que ce soit vrai. J'aurais peut-être cru quand je venais tout juste d'arriver sur cette île, mais je ne suis plus vraiment dans ces questions surnaturelles. Pas via une quelconque base logique, mais basée sur mes expériences uniquement. Le monde détient beaucoup de secrets qui doivent encore être dévoilés. Et s'il y avait eu un chronotremblement et que le temps était revenu en arrière? Et si ce n'était que les souvenirs de Setsuna qui s'était échappé, qui avait échappé à cet effet? Est-ce que ça signifierait que je suis en train de faire l'expérience de la même chose encore et encore? Et pourquoi seulement moi? Si le temps venait à rembobiner vos souvenirs du présent, finiraient par être réécrits par vos souvenirs du passé. Mais Setsuna, vous n'avez pas le moindre souvenir du passé. S'il n'y avait aucun souvenir à réécrire, est-ce que vous ne pensez pas que cela ferait sens que vous vous retrouviez à avoir encore des souvenirs de ce qui s'est passé avant le chrono tremblement? Voilà une nouvelle théorie. Bien que j'ai remarqué que Sarah ait une certaine tendance à simplement déblatérer tout ce qui lui traverse l'esprit, il vaut probablement mieux prendre tout ça avec des pincettes. Sarah, tu continues avec tes fantaisies. À quel point est-ce que tu souhaites qu'il vienne du futur? Ça n'a rien à voir avec ce que je souhaite. C'était Setsuna lui-même qui a dit qu'il venait du futur. Et c'est n'importe quoi. Il y a d'autres qu'une autre de ces fantaisies. Alors, d'où est-ce que tu supposes qu'il vienne, Karen? Eh bien, du continent, bien sûr. Alors, bon sang. Ne vous battez pas, les filles. C'est déjà suffisant pour que j'ai de quoi réfléchir. Ce ne sont pas vos affaires, Setsuna. C'est vrai, ferme-la. Hein? Ah, tu te contentes toujours juste d'acquiescer avec tout ce que ton frère dit et... et toi, tu crois toujours ce que n'importe qui pourrait dire sans même y réfléchir. Et les voilà qui se mettent à s'éloigner toutes les deux, me laissant complètement tomber derrière. Apprends donc un petit peu à rêver. Et ce qui dit toi, tu essayais de t'ancrer un peu plus dans la réalité. Peut-être que le fait qu'elle soit capable de se disputer de la sorte est simplement pour montrer... peut-être que le fait qu'elle soit capable de se disputer de la sorte montre simplement à quel point elles sont vraiment de bonnes amies. Après un temps, elles en viennent même à mettre sur le tapis des vieilles rancœurs de famille entre Kulutsu et Galando. Attendez, est-ce que je suis vraiment la cinquième roue du carrosse là? Attendez-moi, ne me laissez pas. Je les pourchasse.
le chemin devant moi est baigné de la lumière rougeoyante du soir. Peut-être que ce n'est rien, mais j'ai comme ce sentiment de me sentir un petit peu seul. Bien que ma vie ici, sur l'île, et que mes... Enfin, à travers plutôt ma vie ici sur l'île et mes interactions avec ces filles, j'ai réussi à me trouver moi-même, ou tout du moins, c'est ce que je pensais. Et ce n'était qu'il y a un petit moment, mais après avoir... Après être passé d'un moment à l'autre, j'en suis venu à penser que j'avais trouvé quelque chose de précieux. Quelque chose que je n'aurais pas été capable de trouver tout seul. Cependant, peut-être que je n'ai pas encore trouvé exactement ce que je recherchais. Hein ? Vous cherchez quelque chose ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait tomber ? Je me demande comment j'ai fini ici. On se pose des questions, on finit chez l'officier, hein, c'est comme ça que ça marche. Eh bien, je cherchais un joli coquillage ou quelque chose à donner à Riné, et... Mais ensuite, l'un des locaux a appelé la police me concernant, et... Si je me retrouve dans une conversation avec ce type, il va probablement me refaire tout un topo sur les relations. Un porte-monnaie qui contient 1 million de yens. Ah, ah, c'est super, quelqu'un a fait tomber un porte-monnaie... enfin, quelqu'un vient de déposer un porte-monnaie aux objets trouvés. Oh, c'est le mien, rendez-le-moi. Ah, super, je vais vivre comme un roi. Je plaisante. Comment est-ce que vous pouvez être un... Comment est-ce que vous pouvez faire un mensonge aussi monstrueux? C'est vous qui avez menti pour commencer. Et il fallait que ce soit quelque chose d'aussi évident en plus. C'était pourquoi? Mais pourquoi à votre avis? Je voulais de l'argent. J'apprécie votre honnêteté. L'officier de police laisse échapper un grand soupir. Je ne veux pas avoir grand chose à voir avec lui cependant. Vous avez l'air d'avoir perdu votre vigueur habituelle. Et êtes-vous vraiment dans... une sorte de problème financier? Oui. Ma femme est enceinte de mon 5e enfant, voyez-vous. Est-ce que vous ne travaillez pas pour Cohen? Ça ne se passe pas bien? Il m'ignore complètement. Je m'entends très bien avec Cohen. Aucun problème, là. Qu'en est-il de Riné? Je n'en suis pas sûr. Je savais qu'on finirait par parler de ça. C'est le psy du village. Point faible, trop perspicace, hein, juste trop fort. Vous voyez, je l'ai emmené à la plage aujourd'hui. Vous avez réussi à amener Riné à l'extérieur, c'est impressionnant. Il a l'air d'être au courant de la condition de Riné. Cela va rendre les choses de plus simples de mon côté. Je me suis foiré cependant. Je l'ai rendu encore plus effrayé qu'elle ne l'était auparavant. Vous ne pouvez pas changer ce genre de choses en une fois, enfin, d'une journée à l'autre. Il faut faire les choses étape par étape. Non, ce n'est pas le problème. Riné s'est retrouvé à s'agripper à ses genoux et à supplier l'aide de quelqu'un, mais pas la mienne. Je pouvais clairement l'entendre demander de l'aide. Mais j'ai rien pu faire pour l'aider. Peut-être que j'aurais dû mentir ou mettre au point une sorte de spectacle pour elle. J'aurais pu lui dire que j'étais le Setsuna qu'elle recherchait. Mais qu'est-ce qui serait arrivé ensuite? Qu'est-ce que je me serais retrouvé à perdre pour accomplir son souhait? Est-ce que je me serais perdu moi-même? Il semblerait que vous traversiez tous les deux des circonstances assez difficiles.
Mais j'imagine que c'est inévitable. C'est ce qui vient avec les noms de Rin et Setsuna. Il se lève avec un nouveau soupir. Bon, il est temps pour moi d'aller faire ma patrouille. Est-ce que vous voulez venir avec moi et continuer ça à l'extérieur? Oh, c'est la première fois qu'on fait une patrouille avec lui, incroyable! Il y a à peine un instant, j'étais encore en train de parcourir ce chemin avec une lycéenne et une jeune prêtresse de temple, et maintenant je suis sur le chemin, enfin sur ce même chemin mais dans l'autre sens, accompagné d'un officier de police. La réputation de mort. Une autre mère de famille marche à l'extérieur avec son chien et me regarde avec une expression qui a l'air de clairement dire « Waouh, alors il a finalement été arrêté. » Elle se dépêche de tracer son chemin. C'est charmant. Une île charmante et paisible, vous ne pensez pas? Non. Tout le monde m'adresse les regards les plus glacés. C'est simplement ce qui montre à quel point les gens placides de ces environs... Enfin, c'est ce qui montre à quel point les gens sont placides dans les environs. Pourquoi est-ce qu'ils prêteraient autrement autant d'attention à un jeune homme aussi... un jeune homme ordinaire qui est nouveau sur l'île? C'est vrai. J'en suis venu voir cette île comme un endroit où il était plus simple de vivre que ce que je pensais au départ. Bien qu'il semblerait que les habitants de l'île aient une certaine appréhension à mon égard, certains d'entre eux se sont avérés des plus accueillants. Et les jours sont passés sans événements notables, sans que le maire... Fini description. Sans... Non, pas le maire. Sans incident majeur. De temps en temps, je me retrouve même à penser que j'aimerais bien rester ici pour toujours, si je le pouvais. Mais, vous savez... L'île est sous un véritable fardeau, même si ce n'est pas véritablement visible à la surface. Je suis au courant de ça également. À moins qu'il y ait un grand incident, il n'y a rien que la police puisse faire. De temps en temps, je me demande même pourquoi je suis là. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de rejoindre la police, mais je comprends complètement comment il se sent. Pourquoi est-ce que je suis sur cette île? Qu'est-ce que je peux faire ici? Pour être honnête, je pensais que... Tout cela était plutôt simple. J'étais parti du principe qu'elle n'avait que peur du syndrome... Enfin, qu'elle avait peur du syndrome du fléau de Suie que parce qu'elle avait cet éponyme légendaire. Je pensais que tout allait finir par s'arranger si je pouvais faire en sorte qu'elle soit à l'extérieur avec moi. Mais les choses ne sont jamais aussi simples. Cette phobie qu'elle a des racines profondes. Il va falloir une approche bien plus sophistiquée pour s'en débarrasser complètement. Le syndrome du fléau de Suie n'est peut-être pas la seule chose qui l'effraie. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Elle a probablement peur de rencontrer le même destin que la Rinée des légendes. Si elle est véritablement sa réincarnation. Sa réincarnation? Rinée n'a pas été réincarnée dans la version que j'ai entendue. Setsuna est entrée dans un long sommeil, encapsulée dans de la glace, attendant le retour de Rinée. Les trois familles existent pour que le duo puisse un jour remplir son destin. Et c'est là que l'histoire est supposée se terminer. De qui l'avez-vous entendu? Sarah et Karen? Je vois. Ça explique bien des choses. Officier de police laisse échapper un léger soupir. La version moderne de la légende a été modifiée quelque peu pour la praticité des trois familles.
ils l'ont adapté pour leur propre bénéfice. Mais est-ce que ce ne sont pas eux qui ont créé la légende pour commencer ? La deuxième moitié de l'histoire a été revisitée à quelques reprises. En fait, ils ont préféré prétendre qu'elle n'existait pas. Vous avez l'air de connaître votre sujet. Il y a un petit bout de temps, quelqu'un a fait des recherches sur la légende de l'île. Parce que il semblait qu'elle était sur le point de disparaître. J'ai comme une idée de qui cela pouvait être. Quelqu'un qui a fait des recherches sur l'histoire de l'île et qui ne parlait qu'au temps passé. Son nom était Ohara Norimasa, c'était le père de Rine. Il a parcouru les environs, a posé des questions aux habitants de l'île sur ce qu'ils savaient de la légende et en a fait un résumé les divergences entre ces versions, prenant des notes des inconsistances. Il avait pour habitude de venir souvent par chez nous, pour écouter les histoires de mon père. Nous sommes en quelque sorte connectés aux trois familles nous-mêmes. Oui, parce que c'est le fiancé. Les histoires de mon père, que mon père racontait, avaient l'air de correspondre en majorité à la deuxième moitié de la vieille légende. Ah, désolé d'avoir fait ce détour, hein, cette parenthèse. Quoi qu'il en soit, la version de mon père va comme suit. Je suis familier de la tragique histoire d'amour de Rinne et de Setsuna. Maintenant, d'un ton beaucoup plus sérieux, l'officier de police commence à raconter la suite. Il y a bien des années... Enfin, beaucoup d'années plutôt se sont passées avant que Rinne ne puisse renaître. À ce moment, les habitants de l'île avaient complètement oublié leur duo. Hein? Les trois familles ont commencé à négliger leur rôle d'origine et se sont retrouvées attrapées dans une grande dispute pour le pouvoir. C'est à peu près à cette époque que Rinne a été réincarné. En grandissant, personne ne lui a dit quoi que ce soit à propos de Setsuna, et elle a fini par se marier à un autre homme. Mais un jour, elle s'est souvenue. Au beau milieu d'une dispute avec son mari, elle s'est souvenue de Setsuna. Et alors, une prise de regret comme de deuil, Rinne s'est jetée dans l'océan. Elle était convaincue qu'elle se retrouverait réunie avec Setsuna si elle venait à renaître une deuxième fois. D'une manière quelque peu ironique, ses actions ont amené les gens à revenir à la réalité, à revenir à reprendre raison, et la paix est revenue sur l'île. Ils ont juré de ne plus jamais oublier le duo. Mais il n'est pas facile de changer ce genre de choses en une nuit. Et actuellement, ils sont sur le point d'oublier tout cela à nouveau. Et s'ils le font, l'histoire ne cessera jamais de se répéter. Quand Rinne a rené, renaquit, revécu, est revenu à la vie... quand Rinne renaîtra plutôt, elle cherchera à nouveau Setsuna, et si elle n'arrive pas à le trouver, elle sautera vers sa mort à nouveau. Combien de fois est-ce que l'histoire va devoir se répéter avant que ces deux-là ne puissent être réunis? Du moment qu'une personne sur l'île vient se souvenir d'eux, du moment que Rinne vient se souvenir de Setsuna, je suis sûr que l'histoire pourra arriver à une conclusion différente. Est-ce que Rinne, notre Rinne,
connaît cette partie de la légende, je pense. C'est son père qui a fait la compilation des différentes versions des habitants de l'île, après tout. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que Riley n'est pas effrayée du syndrome du fléau de sur en lui-même. Elle a peur de ne pas être capable de trouver Setsuna. Riley sait qu'il doit être quelque part là-bas. Ce n'est pas comme si elle se souvenait véritablement de ses vies passées, mais elle a dû lire tout cela dans l'ouvrage de son défunt père. De nos jours, l'histoire de Riley et de Setsuna n'est vue que comme comme un conte folklorique, et les détails ont été avalés par l'histoire. Bien que Riley y croit encore, même si toutes les autres personnes l'ont oublié, elle le doit. Alors, elle le doit pour qu'elle n'en vienne pas à l'oublier elle-même et que la tragédie ne se répète pas. La légende n'est rien d'autre que ça, une légende. Mais est-ce que les personnages qui la composent sont vraiment différents de nous ? Un jour, nous serons oubliés, nous aussi. Personne ne se souviendra du fait que nous ayons vécu ici. Le bonheur que nous y avons trouvé et les rêves que nous y avons nourris. Absolument tout finira probablement par se faire emporter par les courants du temps, réduit à l'état de grains de sable. Le temps est une maîtresse cruelle. C'est ce que vous devriez tirer comme leçon de la légende. Au bout du compte, les actions du couple, plutôt, n'ont pas eu le moindre impact sur l'histoire, quoi qu'il en soit. Les gens sont impuissants contre le passage du temps. Les pensées, les sentiments ne peuvent pas transcender le temps. La joie et le deuil, au bout du compte, ils finissent par s'évaporer. Voilà pourquoi nous finissons par répéter les mêmes erreurs. Je pense que Riley souhaite y croire quoi qu'il en soit ou y croire autrement. Elle veut croire qu'elle sera capable de transcender le temps. Elle est comme son père, au niveau de cet aspect. Est-ce que son père croyait en la légende également ? Pas vraiment. Il croyait simplement au mérite d'archiver cette dernière pour la postérité. Mais j'imagine que c'est également une manière d'essayer de combattre le passage du temps. La légende elle-même tourne autour de l'oubli des gens. Il y a quelque chose d'un petit peu contradictoire à propos du fait d'essayer de faire en sorte que les gens s'en souviennent. Et Riley, qui est encore en train d'attendre ce qui pourrait n'être rien d'autre qu'un personnage de fiction, a fait face au même paradoxe de base. Moi aussi, probablement. Est-ce que vous voulez que je vienne pour voir comment va Riley ? On me pose cette question lorsque nous arrivons finalement au manoir Ohara. Mais il est clair au vu de l'expression de l'officier qu'il connaît d'ores et déjà ma réponse. Non, c'est mon boulot. Riley est clairement au courant du paradoxe qui lui fait face. Et elle fait des efforts, ou elle en a déjà fait, pour aller au-delà de ce dernier. Elle sait qu'attendre ce Setsuna ne finira par lui amener... Effectively Brewing Time. Non, elle finira qu'attendre ce Setsuna amènera efficacement une sorte de stase, une sorte de... de statu quo du temps. Comme elle sait qu'elle
ne peut pas véritablement faire quoi que ce soit pour empêcher le passage du temps. Dans tous les cas, quel choix est-ce que j'ai, si ce n'est celui de croire en elle? Aïe 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 aïe. J'avais eu un petit peu de rapprochement et tout a été mis à la poubelle. Mais bon, on a un Setsuna qui essaie d'apprendre davantage qui est Rinnet, qui se cache derrière. On était déjà au courant pour le syndrome du fléau sud, du moins la position que Rinnet pouvait avoir par rapport à ce dernier. Hein. Le bruit de porte, c'est à la maison, le chien qui se secoue aussi. Mais bon, toute cette deuxième moitié de la légende, encore une fois, ça recoupe avec la notion de cycle, ça recoupe avec peut-être le prologue qu'on a eu, enfin le prologue pré-titre qu'on a eu tout au début du jeu. Et le côté sauver cette fille, si en effet, si on prend la légende en pied de la lettre, hein, la fille qui finit par mourir alors que le Setsuna est encore dans la stade. Donc ça ferait sens de dire qu'elle se retrouve à être la personne à sauver au final. Je bois un coup. Toujours plus d'enquêtes avec Setsuna. L'officier qui en sait toujours plus. Hein. L'officier qui va finir par enlever un masque à la fin du jeu et nous dire c'est moi qui est tout prévu, qui est tout conçu. Je suis l'esprit de l'île. On est à deux doigts. Cela me rappelle tellement cette soirée, cette nuit. La première nuit que j'ai passée sur l'île. Quand j'ai erré sur cette plage, après m'être échappé du manoir, je me souviens de quel point j'étais effrayé de perdre qui j'étais si je venais à rester sur cette île. Pour m'installer sur cette île. La peur que je ressens en ce moment est quelque peu similaire. Comment est-ce que j'ai réussi à la surmonter à l'époque? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de rester? Setsuna. Tout à coup, une fille avec un chapeau se tient devant moi. La fille qui m'a sauvé, Ohara Rinnet. Seulement maintenant, elle est devenue l'objet, le sujet de mes peurs. Bien, si ce n'est pas Setsuna. Et d'un coup, face à cette réplique, je me mets à me raidir immédiatement. Il est clair à son intonation, enfin il est facile de deviner bien des choses via son intonation. Mais si la nuance avait été légèrement différente, ce n'est pas Setsuna. Un petit changement d'intonation et elle se mettrait à nier absolument tout ce que je suis. C'est pas seulement Rinnet qui m'appelle Setsuna à ce stade, mais elle a été la première personne à me définir de cette manière. Si elle venait à m'enlever ça, est-ce que je serais encore moi-même? Je suis désolé pour avant. D'abord, je te dis de rester à mes côtés et ensuite de me laisser seul, je suis vraiment la pire. Comme je l'ai dit, tout va bien. Est-ce que j'agis gentiment parce qu'elle compte pour moi ou parce que j'ai peur d'elle? Je pense que c'est un petit peu des deux. J'ai peur de perdre ses faveurs précisément parce que elle compte pour moi. Voilà pourquoi je m'y prends doucement avec elle, pour qu'elle ne se mette pas en colère contre moi. Je suis sans espoir, bien pire que toi. Ah, tu as finalement réalisé? Oui, grâce à toi. J'ai besoin de rester courtois. Je suis en train de m'adresser à la princesse de la nuit ici, après tout. Si je viens vraiment à me mettre en colère, je perdrai tout ce que j'ai. Est-ce que tu veux bien venir avec moi? Ta marche quotidienne? Oui, tout à fait. La princesse me répond avec joie. Sous la lumière de la lune, elle a l'air d'être une personne totalement différente. Certainement, comparée à cet après-midi.
Probablement parce qu'il n'y a aucune menace pour elle ici. Rinne. Est-ce que... tu ne peux pas abandonner ce que tu recherches? Est-ce que ce n'est pas suffisant de m'avoir à tes côtés? Je souhaiterais lui poser la question, mais je n'en ai pas le courage. Peut-être que c'est d'ores et déjà écrit sur mon visage, cependant. Et deviner ce genre de choses est apparemment son point fort. Cette nuit sera la dernière fois. Rinne me sourit doucement. C'est exactement comme ça avait été le cas l'autre nuit. C'est parce que j'ai décidé de faire confiance à ce sourire que je suis encore là. Dis-moi, combien de jours se sont passés depuis que tu es arrivé ici, Setsuna? Je me le demande. Ça ne fait pas si longtemps. Et j'ai comme l'impression que ça fait une sacrée période. Je parie que c'est parce que le temps que j'ai passé ici a été si enrichissant. Notamment mon temps avec elle. Est-ce que tu es déjà tombé amoureux? De qui? De quoi est-ce que tu parles? De l'île, bien sûr. Ah, je vois. Ça m'a fait peur pendant un moment. Tu pensais que je parlais de qui? Sarah? Karen? Très bien. Inutile de me titiller comme ça. Est-ce que ça a vraiment une importance? Tout à fait. Ok. Eh bien, allons-y avec Tomé, alors. Ah, elle te paie pas ma tête. Qui se paye la tête de qui? C'est toi. En vérité... je suis plutôt ok avec un grand éventail d'âge. Grand à quel point exactement? Eh bien, tout ce qui va entre 30... Non, 14, 13. Et 37. Et ok de mon côté. Bro, 13. Si on part du principe que t'as 20 balais, on va dire un petit peu moins peut-être, parce qu'ils ont toujours mis 20 balais comme étant son maximum. Rien ne va. Ah, peu importe ta limite haute, c'est la base qui m'inquiète. Oui, il y a de quoi s'inquiéter. Ah, tout va bien. On est déjà assez grand. Setsuna, ta Setsuna va trop loin. Pas nécessairement, je veux dire... combien de fois, à quel point est-ce que tu... À quelle fréquence est-ce que tu célèbres ton anniversaire? Bah, tu en as un par an. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe normalement. Et voilà, toutes les personnes vieillissent au même rythme. Et de cette manière, elles peuvent partager du temps avec leur être aimé. Cependant, ce serait bien si c'était vrai. Rinne murmure juste cela, puis devient silencieuse. Elle a l'air comme de sous-entendre que ce n'est pas vrai pour elle. Bon sang, quelle triste pensée. Et si ton corps venait à vieillir d'année en année, mais que ton cœur restait celui d'un enfant? Au bout d'un moment, tu te retrouverais laissé derrière, abandonné par toutes les personnes que tu aimes. Rinne, tu es directement dans le meilleur carcan de l'éventail au niveau de ton âge. Je me demande pourquoi je laisse s'échapper cette réplique. C'est vrai cependant. J'imagine que tout le monde a besoin de quelqu'un. N'importe quel... Pardon. C'est un sac qui me tourne autour. C'est le temps des moucherons. Quelqu'un qui souhaite partager du temps avec eux. Autrement, ils ne peuvent pas grandir. Pareil, je préfère les gars un peu plus vieux. Elles n'ont pas besoin de nous mentir davantage. Nous n'avons pas besoin d'être effrayés du rejet. Se faire confiance... Enfin, faire confiance au sourire de l'autre est suffisant. Cela nous permet de partager notre temps et de grandir ensemble. Étant donné que c'est notre dernière nuit à passer de cette manière... Est-ce que nous devrions aller un petit peu plus loin que d'habitude? Non. Ça va d'être ici. Parce que...
J'ai déjà trouvé ce que je recherchais. Rinne s'arrête. Est-ce qu'il y a vraiment quoi que ce soit de paradoxal à propos de cette situation? Il semblerait que je m'étais complètement trompé. Il n'y a rien de paradoxal à propos du monde dans lequel elle habite. Pendant tout ce temps, elle était seule. Pendant tout ce temps, elle seule, elle vivait libre de toutes ces choses. Pure et incorrompue. Non corrompue. On va dire incorruptible. C'est pas exactement le bon terme. Tu sais, je n'ai pas le moindre souvenir de quand j'étais petite. Je ne me souviens pas d'être allé à l'école, ou d'avoir joué avec mes amis. Je ne me souviens pas de ce à quoi ressemblait mon père ou ma mère. Je ne suis pas sûr de ce dont parle Rinne tout à coup. Avant même de m'en rendre compte, j'étais là, sur cette plage, à regarder le ciel étoilé. Je me sentais comme si j'étais né à cet instant. Mais mon corps ne bougeait pas, et je ne pouvais pas parler, ni respirer. Je vois exactement ce qu'elle veut dire. C'est tout naze, pareil, il s'est réveillé comme ça. Le nom de Rinne est tout ce dont je pouvais me souvenir. Ah, je peux me sentir connecté à cette histoire d'autant plus que quiconque. Les étoiles ont disparu de ma vue, l'une après l'autre. Et quelque part, à l'arrière de mon esprit, au fin fond de mon esprit, je pensais que j'allais mourir. Il devait bien y avoir des choses que je souhaitais faire, des choses que j'avais besoin de faire. Mais je n'arrivais pas à me souvenir d'une quelconque de ces actions. Et alors, au moment où la dernière étoile s'est évanouie, j'ai vu le visage d'un garçon. Un garçon ? Il avait l'air d'avoir 2 ou 3 ans de plus que moi. Il a appelé mon nom encore et encore. Comme s'il essayait désespérément de me garder dans ce monde. J'ai tendu la main pour toucher son visage et je pense que j'ai demandé son nom. À ce stade, le garçon m'a gentiment ou doucement souri. Je ne sais plus parler. Donc il m'a doucement souri et il a dit le nom du personnage qui n'existe que dans la légende. Dont le nom est celui que j'ai pris à mon tour. Bien. Son nom était Setsuna. Est-ce qu'elle se réfère à quelqu'un d'autre entièrement? Quand je me suis réveillé à nouveau, je me tenais dans mon propre lit, dans ma propre chambre, entouré d'étrangers. Je n'avais aucune idée de ce qui était en train de se passer, mais ils m'ont gentiment expliqué la situation. Ils ont dit que j'étais tombé dans l'océan pendant une forte tempête, que j'avais été absente, disparue, pendant 3 jours. Mais j'avais comme l'impression qu'ils mentaient. Quand je leur ai parlé de Setsuna, aucun d'entre eux ne m'a cru. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'un garçon comme ça, et je suis sûr qu'il était là. Son nom était Setsuna, et il m'a sauvé cette nuit-là. Est-ce que tu me crois? Est-ce qu'elle pense vraiment que je suis dans une position de dire non? À la fille qui m'a sauvé? Ici, parmi tous les endroits possibles? Après cela, j'ai quitté ma chambre, toutes les nuits, pour chercher Setsuna. J'étais tellement effrayé. Ma mère et mon père étaient rarement dans les environs. C'était difficile de croire qu'ils revenaient à être mes vrais parents. Ah, on retrouve la même chose encore une fois. C'est fou. Karen, problème parentaux. Bon, le père est présent, même si ce qu'il fait est discutable, mais surtout plein de flou aussi, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Mais mère complètement disparue. Enfin, mère morte même, mais mère qui s'est cassée.
Sarah la même. Enfin, la mère est pas morte, mais la mère s'est cassée. Bon, le père, je suppose, est mort en tout cas. Et Riné, bon, on a déjà parlé un petit peu avec Quan, mais c'est le cas du père aussi, visiblement. Ça a presque une vibe de. J'ouvre une parenthèse, hein, bien sûr. Ça a presque une vibe de. C'est pas leurs vrais parents, quoi. C'est un peu chou. Celui qui a l'air d'être le plus un vrai parent, c'est le. C'est le père de Karen, sur le papier, je trouve. Mais même là, à chaque fois, il se met à parler du bien de l'île hein, et du fait de donner aucune liberté à sa fille. Bon, c'est un peu chelou, mais bon, c'est un peu le rôle du parent antagoniste, on va dire. Quan, elle est très gentille et tout, hein. Elle joue aux échecs avec sa fille, mais y a un côté délaissement parental sur les trois routes. Hein. Ça fait un peu genre équipe. Enfin, surtout le fait que Maria soit en. Disent des trucs un peu chelous et soit dans les sciences. Mais bon, il y a toute l'hypothèse de Maria égale Sarah. Et la mère de Karen, qui est dans les sciences aussi. Et la mère de Riné, qui est dans les sciences aussi. Enfin, qui est à fond sur des trucs scientifiques. C'est très genre. On a mis des scientifiques. Et il se passe un truc. Elles se ressemblent, hein, donc bon, il y a autre chose, hein, c'est vraiment leurs parents peut-être, mais. Je sais pas, ça. Est-ce que c'est des clones? Je sais pas, je pète un câble. Fin de parenthèse. C'était comme si ce monde entier me mentait. Setsuna était la seule personne que je pouvais croire. Qu'est-ce que j'ai fait cette nuit-là? Je voulais pas que mes jours viennent à se mélanger les uns les autres en une sorte d'ombre d'existence complètement fausse et sans événements significatifs. Alors, effrayé de me perdre moi-même, je suis sorti de ma chambre et je me suis mis à errer sur cette plage. Je cherchais quelqu'un. Et alors je l'ai trouvé. J'ai entendu prononcer mon nom sous un ciel étoilé. Entendre cela a fini par être mon salut. Cela m'a complètement débarrassé de ma solitude. Et à partir de ce jour, nous nous rencontrons ici, tous les soirs. À chaque fois que je viens sur cette plage, Setsuna est là, à m'attendre. Et aller le voir fait partie de ma nouvelle routine quotidienne. C'est grâce à nos discussions sur la plage ensemble que j'ai réussi à rester moi-même. Le temps que nous avons passé l'un avec l'autre est la seule manière avec laquelle je suis encore sûr d'être moi. Nous n'avons pas beaucoup parlé. À chaque fois que quelque chose de mal m'était arrivé, il m'a consolé. Et si je m'étais amusé dans la journée, nous en rions ensemble. Assez étrangement, ma peur de ce monde se retrouvait drainée. Je commençais à croire que c'était vraiment ok pour moi d'être là. La marche sur la plage m'en donnait de l'espoir, vois-tu. Et l'espoir a fini par se transformer en désir. Tu passes du fait d'accepter où tu es au fait de véritablement souhaiter rester là. J'étais encore une enfant et Setsuna avait l'air d'être comme un adulte pour moi, bien qu'il manquait un petit peu de sens commun. C'était quelqu'un qui pouvait dire vraiment n'importe quoi, tout ce qui lui passait par la tête. Toutes sortes de choses que je ne connaissais pas. Across a team. J'aimais bien regarder par-dessus son épaule alors qu'il parlait, à chaque fois que nous nous mettions à errer sur la plage ensemble. Parfois, il se mettait à
assemblé des morceaux d'histoire lui-même, et il se payait ma tête si je venais à être trop crédible. Trop crédule. Tu vois, son rêve était de devenir un écrivain de romans. Parfois, il me montrait ses notes dans lesquelles il avait écrit ses propres histoires. C'était ces histoires d'aventure assez infantiles et les événements qui étaient décrits étaient toujours quelque peu incohérents, mais je les appréciais. Il parlait tout le temps de lecture et notamment de romans de mystère et de science-fiction. Alors j'ai commencé à lui amener des livres de la bibliothèque que je pensais qu'il apprécierait. Ça a pris que quelques jours. Non, je n'en prenais que quelques-uns par jour pour que mon père ne le remarque pas. Chaque jour, nous répétons la même routine, mais ces moments ensemble sont si plaisants. Ils m'ont presque permis d'arrêter de porter de l'importance à tout ce que j'ai oublié. Mais tu sais, je sens comme un vague malaise qui n'arrive pas à partir. À chaque fois que je me retrouve à être si proche de me sentir véritablement heureux, cela revient. Et de temps en temps, il réapparaît violemment, déclenché par les choses les plus petites. Un jour, à la bibliothèque, j'ai trouvé le livre que mon père a écrit, celui sur la légende de l'île. C'est probablement le passé, celui que je suis supposé avoir oublié, qui se raccroche à moi. Et j'ai découvert mon propre nom en son sein, Riné. Ce nom maudit, dont le porteur est destiné à mourir encore et encore. Il y était décrit mon passé oublié. Bien entendu, la légende n'est rien d'autre que ça, une légende. Mais à quoi est-ce que cela aurait pu ressembler pour une jeune fille sans un passé dont elle puisse se souvenir? Est-ce que cela aurait ressemblé à un conte de fées quelque peu enchanteur et étrange, à Riné, quand tous les adultes autour d'elle ont nié jusqu'à l'existence de son Setsuna? À ce stade, j'ai arrêté d'aller à l'extérieur. Je ne le pouvais plus. Est-ce que tu ne penses pas que c'est bizarre? Je veux dire, il n'y a pas moyen que je puisse vraiment être la réincarnation de Riné. Ce n'est pas possiblement vrai. Et pourtant, si elle venait à nier le fait d'être Riné, cette jeune fille n'aurait plus rien. Les gens ont besoin d'un passé, d'une histoire. Autrement, ils n'ont aucun moyen de définir qui ils sont, exactement comme moi. Je n'arrivais tout simplement pas à imaginer Riné comme quelqu'un d'autre. L'histoire de Riné est une histoire tragique. Elle ne se retrouve jamais réunie avec son Setsuna. Elle choisit de mettre fin à sa vie. Si seulement quelqu'un sur l'île s'était souvenu du couple. Si seulement Riné s'était souvenu de Setsuna. Quand j'ai parlé à Setsuna du livre, il a dit qu'il réécrirait mon destin. Réécrire son destin. Et après un temps, il est venu me voir avec une nouvelle histoire. C'est à propos d'un garçon qui venait du futur pour sauver une fille appelée Riné. Avec un accent. Hein? Quand j'ai essayé de lire Riné à voix haute, il a dit que j'avais une voix jolie. J'étais tellement contente. J'ai demandé à emprunter son carnet pour pouvoir le réciter à la maison aussi souvent que possible. C'était tellement amusant. Comme si je m'étais transformé en une personne totalement différente. À chaque fois que je lisais les répliques et les lignes concernant Riné,
J'avais l'impression que je n'étais plus Rin. Cela m'a permis d'oublier absolument tout ce qui venait avec mon nom. Et ensuite, il n'y avait plus rien dont je devais avoir peur. Après cela, j'ai commencé graduellement à pouvoir sortir dans le soleil, enfin dans un extérieur ensoleillé à nouveau. Est-ce qu'elle a vraiment réussi? Est-ce qu'elle a trouvé une fin alternative à la légende dans laquelle elle a pu être réunie avec Setsuna? Cependant, le bout de la falaise, ou la falaise au niveau de la crête, hein, probablement l'endroit où on a été dans la journée, était aussi loin que j'ai pu aller. Si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'elle se confine à nouveau la nuit? Enfin, à la nuit. La glace pilée que nous avons mangée ensemble était délicieuse. Ah, on renvoie vers ce que disait la vieille du salon de thé, là. Et où est allée ce Setsuna? Nous sommes également allés pêcher, attraper des insectes. Comment ça? Et il m'a aidé avec les projets, avec mes devoirs d'été. Non mais... il y a tout qui se mélange. Ok, donc là j'ai un tourbillon dans la tête. Setsuna, c'est un malaise pour lui parce qu'il se souvient pas encore vraiment. Hein, c'est inconscient de son côté, mais... Et là, je pense que c'est le moment où, quand tu lis cette conversation, tous les joueurs ont fini par... Enfin, tous les lecteurs ont fini par tomber de leur chaise, là, à se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc la pêche et le fait d'attraper les insectes, on arrive sur la route de Sarah, les devoirs d'été, on arrive sur la route de Karen. On a un petit peu de ce qu'on a fait à l'instant, enfin dans cette journée-là, avec le cabanon, le fait de sortir dehors. Il y a toute cette histoire du gars du futur, avec ce qui s'est passé encore avant. Mais mélangé à des trucs qu'on n'a jamais vus. Mélangé aussi au salon de thé, des choses comme ça, où on l'a tout simplement pas vu. Est-ce qu'elle est en train de nous faire genre une sorte de melting pot de tout un tas de cycles? Parce qu'elle, elle s'en souviendrait, elle les connaîtrait d'une certaine manière. Quelle est donc cette histoire? Quand j'ai essayé de tricher en regardant la fiche des réponses, il me la cachait, et nous nous sommes disputés. Est-ce que ce sont véritablement tes souvenirs? Nous avons beaucoup joué ensemble et beaucoup discuté ensemble. Est-ce que ces choses se sont vraiment passées? Et quand nous finissions par être fatigués, nous nous contentions de dire à demain, bien que nous continuions de jouer ensemble dans nos rêves. Dans ces rêves. Honnêtement, je me demande encore quelle partie faisait partie des rêves et lesquelles étaient réelles. C'est vrai, elle a très bien pu rêver tout ça. Parfois, je me demande si tout cela n'était rien d'autre qu'un rêve. Rinne lève les yeux vers le ciel et parle d'une voix comme lointaine. Mais ce n'était pas le cas, j'en suis sûr. Ce n'était pas un rêve. Je voulais passer plus de temps avec Setsuna. Je voulais jouer avec lui tout le temps. Voilà pourquoi je l'ai suivi jusque chez lui un jour. Après que nous en ayons terminé avec notre journée, j'ai suivi ses traces de pas dans le sable. Le pistant de suffisamment loin derrière lui pour qu'il ne le remarque pas. Cela m'a amené jusqu'à la zone rocheuse au bout de la plage, l'endroit où nous avons été aujourd'hui. J'ai escaladé, j'ai tracé mon chemin sur les rochers et j'ai trouvé cette vieille petite hutte, la même que nous avons vue aujourd'hui. Mais cette nuit-là, je me suis retrouvé effrayé et j'ai fait demi-tour. Alors, je n'ai jamais découvert si Setsuna était vraiment là-dedans ou pas. Hé, Rinne,
Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Parce que si cette partie-là ne fait pas partie d'un... Oui, je joue des parenthèses de temps en temps. Si cette partie-là ne fait pas partie d'un rêve ou d'une manipulation psychique ou je sais pas quoi, on a appris dans la route de Sarah que les huttes c'était historiquement utilisé pour ostraciser des gens qui avaient le syndrome du fléau de Tuie. Et que ensuite les gens ostracisés, bon, ils ont fini par être plus que ostracisés, hein, malheureusement. Est-ce que cette autre personne... Non mais elle a dit qu'elle sortait le jour avec cette personne. Là. Du coup, immédiatement, je me demande est-ce que c'était un autre gars qui avait le fléau de Tuie, quoi. Mais pas plus loin que ça. Est-ce que tu me crois? Croire quoi? Tu l'as dit toi-même, n'est-ce pas? J'ai dit quoi? Que c'était une... Que c'était la chambre d'un enfant. J'ai en effet dit ça. Moi-même, j'ai eu comme un moment de déjà-vu où... au moment où je me suis tenu devant cette hutte. Les images sont apparues dans un flash face à mon esprit. Et cela devait être des sortes de souvenirs. C'était moi. Le garçon qui vivait dans cette cabane. Le garçon qui s'est appelé lui-même Setsuna. Le garçon qui a sauvé Rin. C'était moi. J'en suis pas sûr. C'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans la dernière fois que je l'ai vu. Il y a 5 ans. Et tout s'est passé il y a 5 ans à peu près, donc... Est-ce que tu sais quand est mon anniversaire? Non. Comment est-ce que j'aurais bien pu le savoir? Il ne me l'a jamais dit. Essaie de deviner. Ah, peu importe. Et mon âge? Eh bien, ça, je le sais, elle me l'a dit. 17. Faux. Je n'ai en vérité que 4 ans. Oui, mais parce que... elle parle à partir du moment où elle s'est réveillée. Bon sang, tu... Tu sais, c'est pas possible, hein, tu as l'air d'être au moins une lycéenne. 4, c'est à peu près le quart de son véritable âge. Un quart. Ah, je sais quand est ton anniversaire. Je ne sais pas si je m'en suis véritablement souvenu, ou si ce n'était rien d'autre qu'une tentative de deviner. Mais il n'y a qu'une seule date qui m'est venue à l'esprit. C'est le 29 février. Quand tu es un gamin, ton anniversaire est le jour le plus important de ta vie. Enfin, de l'année, pardon. Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Du coup, oui, divisé par 4. Parce que tous les 4 ans. Et d'où la phrase qu'elle disait avant, oui, avoir son anniversaire tous les ans, c'est quand même vachement sympa. Si seulement moi aussi. Et elle a été lésée au niveau des cadeaux, hein, du coup, terrible. Mais Rin n'a pu célébrer cet anniversaire, hein, cette fête, hein, que tous les 4 ans, en un sens. Elle n'a que 4 ans. Mais dans ce cas, qu'en est-il de moi? J'ai eu cette exacte conversation avec Setsuna une fois, il y a longtemps. Je la réécris. Nous sommes assis ensemble, ici, comme nous le faisions toujours. Pas sur le bateau, mais sur le sable. Et ensuite, Setsuna s'est soudain mis en colère contre moi et s'est levé. À ce moment, je ne comprenais pas pourquoi il était en colère. J'étais simplement agacé qu'il ne comprenne pas mes sentiments. Je vais réécrire son destin. Je te hais. C'est ce qu'il a dit, avant de s'enfuir en courant. Il a fallu quelques jours pour que je réalise la raison pour laquelle il était tellement en colère. Ma place a été usurpée par quelqu'un dont je n'ai jamais entendu parler auparavant. Hey, Setsuna. Est-ce que tu connais ton propre anniversaire? Non. Je me souviens pas de mon passé. Je n'ai absolument aucun moyen de le savoir. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a dans cette histoire? C'est vrai. Setsuna ne connaissait pas son propre anniversaire.
et ne l'a jamais célébré, pas une seule fois. Bien entendu qu'il s'habille en colère face à une plaisanterie telle que celle-là. Mais à cette époque, je ne l'avais pas remarqué immédiatement. Voilà pourquoi j'ai décidé de célébrer son anniversaire également, même si j'étais la seule. Alors, le 28 février, il y a 5 ans, nous aurions été en 1994. Ce qui n'était pas une année, comment on dit en français, bissextile, je crois qu'on dit ça comme ça. L'année, oui, le 29. À l'aube de son anniversaire non existant, lors de la dernière journée de ses 11 ans, en tant que personne qui a 11 ans, Rin a fait un pas vers l'âge adulte. Elle a réalisé comment Setsuna devait se sentir, incapable de célébrer son propre anniversaire comme elle le faisait. Mais tu sais comment je suis, pas vrai? Je ne pouvais pas exactement aller en ville pour lui acheter un cadeau. Et bien que je savais que Setsuna adorait la glace pilée, il n'en vendait pas en hiver. Ensuite, j'ai réalisé, ou je me suis souvenu, de quelque chose d'autre qu'il avait dit. Qu'il aimait bien le son de ma voix. Alors, vas-tu? Je me suis dit que ça pouvait être mon cadeau pour lui. Ta voix? L'histoire qu'il a écrite, je veux dire. J'ai décidé de m'enregistrer en la lisant à haute voix. Et ensuite, je lui ai donné cet enregistrement. C'est le moment où on va exploser, c'est ça? C'est le moment où... On prend ça, on se le note sur un côté et on se dit « Ah, vivement qu'on écoute le petit CD qui était à côté de nous quand on s'est réveillé. » Bien sûr, je comptais inclure un lecteur de cassette portable également pour qu'il puisse l'entendre quand il le souhaitait. Un cadeau plutôt sympa, tu ne penses pas? Oui, je suis sûr que ça l'était. Cela m'aurait très certainement rendu heureux, moi. C'était tellement de travail. À chaque fois que je faisais une erreur, il fallait tout recommencer. Et ensuite, il a fallu que je réassemble toutes les lectures réussies ensemble. Et même à ce moment-là, j'avais comme ce côté quelque chose ne va pas lorsque j'ai écouté le produit fini. Alors j'ai fini par tout refaire de zéro. Je parie qu'elle a essayé de faire en sorte que ce soit absolument parfait. Elle était en train de faire quelque chose qui allait durer pour toujours. Quelque chose qu'elle pourrait réécouter encore et encore. Mais le temps que je termine, le soleil s'était déjà levé. Je me suis dépêché d'aller ici aussi vite que j'ai pu, mais Setsuna n'était nulle part. Exactement comme je pouvais en avoir la peur. C'était une journée froide. Et il a commencé à neiger. Neiger, hein. J'ai jamais vu de neige auparavant. Il est plutôt facile cependant d'imaginer ce à quoi ça pouvait ressembler. Je me demande si l'image que j'ai à l'esprit est enracinée davantage à cause des connaissances globales, enfin de, on va dire de la connaissance populaire, ou bien à cause d'une expérience personnelle. Je sais pas pourquoi. Mais j'étais vraiment déterminé au fait de donner ce cadeau à Setsuna ce jour-là. Il fallait que je le lui donne avant la fin de la journée. Alors j'ai décidé de retourner à la cabane. Alors que j'étais en train d'escalader les rochers, la neige a commencé à se faire de plus en plus lourde. Avant même de m'en rendre compte, l'endroit était complètement couvert de neige et je n'arrivais pas à voir où est-ce que j'allais. J'étais complètement coincé. J'étais trop effrayé ou seul. J'étais tellement effrayé, seul plutôt, que je me suis juste effondré et j'ai commencé à pleurer. Et ensuite, Setsuna est venue pour me sauver. Comme le héros d'un roman. J'étais tellement contente de le voir que j'ai commencé à courir sans réfléchir.
Et c'est là que j'ai glissé. En quelques secondes, j'étais dans l'océan. C'était glacé. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été dans cette situation? Si une fille venait à tomber dans la mer juste devant mes yeux, j'aurais très certainement... C'est la dernière chose dont je me souviens concernant Setsuna. Hein? Quand je me suis réveillé, j'étais là-dedans. Rinne laisse sa main glisser en direction du bateau sur lequel nous sommes assis. Où était Setsuna? Sans un mot, elle secoue sa tête. Que s'est-il passé ce 28 février, il y a 5 ans? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le moindre souvenir au-delà de cette nuit? Je me suis évaporé. Quand je me suis réveillé, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ont dit que je m'étais évaporé. Et que c'était la fin du sujet. Personne n'écoutait quoi que ce soit de ce que j'avais à dire. Personne ne souhaitait m'aider à chercher Setsuna. Ils n'ont pas arrêté de dire la même chose qu'auparavant. Qu'ils ne connaissaient aucun garçon répondant à ce nom. Mais il était là, j'en suis sûr. Ce n'est peut-être pas Rin qui s'est retrouvé évaporé ce jour-là, mais Setsuna. Peut-être qu'il s'est sacrifié à la place de Rin et qu'il s'est retrouvé piégé dans une sorte de jour d'année bissextile de l'outre-monde. Dans tous les cas, voilà pourquoi j'ai continué de chercher Setsuna, tu vois. Alors, voilà ce que Rin recherchait. Je suis la seule qui a continué de chercher. Chercher une chose si importante qu'elle a perdue cette nuit-là, il y a 5 ans. C'est pas que je souhaite me racheter auprès de lui ou jouer avec lui à nouveau. C'est juste... Elle affiche son sourire habituel. Je l'ai toujours aimé. Et je voulais le lui dire. C'est à moi qu'elle s'adresse désormais, cependant. Je suis à Setsuna ou je ne suis pas Setsuna. C'était pas associé à une sauvegarde. Je ne crois pas. Beaucoup de choix pas associés à une sauvegarde, en l'occurrence. On est dans un trou un peu plus statique. Je suis Setsuna. Très bien. Je suis Setsuna. C'est elle qui m'a donné ce nom. Si je le rejette... Maintenant, ou si je la rejette maintenant, je retournerai à l'état de n'être personne. Je n'ai pas le choix. J'ai d'ores et déjà accepté le fait qu'elle était Rin. Maintenant, il faut que j'assume la notion d'être Setsuna. Je comprends au moins ça, mais... Ah, oui. Tu ne sais toujours pas qui tu es, n'est-ce pas? Elle murmure... cela abruptement et place sa main sur ma tête. J'ai comme l'impression d'être quelqu'un. Enfin, j'ai comme l'impression que quelqu'un a fait la même chose pour moi auparavant, il y a longtemps. Et je n'ai aucune idée d'à qui cette main appartenait. Tout va bien. C'est juste que tu ne te souviens pas. Ce n'est pas de ta faute. Je peux sentir le poids de ses émotions avec une intensité presque physique. Et allant de pair avec la chaleur de sa main. Tout va bien. Ça ne me dérange pas. Je suis sûr que tu peux devenir mon Setsuna. Je vois. Nous sommes tout simplement pareils. Rin et moi, nous souhaitons tous deux retrouver quelque chose que nous avons perdu. Dans mon cas, c'est la version de moi-même que j'ai perdue ce jour-là. Et dans le sien, c'est quelqu'un d'autre qu'elle ne peut pas laisser partir. J'ai pas vu ce qu'il y avait vraiment au niveau de l'image là, mais le fait que la musique s'arrête d'un coup, ça donne des frissons directs. C'est ouf. L'horreur. Hein? Pourquoi suis-je venu sur cette île?
Quel est mon but ici? J'ai tout perdu de vue désormais. Tous mes souvenirs ont été avalés par une mer de bruit. Mais je pense que j'ai trouvé un nouvel objectif, une véritable raison pour moi d'être ici. Rin. Je suis supposé sauver la fille qui est assise face à moi. C'est ok pour moi d'abandonner n'importe quoi. D'abandonner de toutes les choses dont je n'ai pas besoin dans la poursuite de cet unique objectif. Je vais y arriver. Je suis Setsuna. Je n'ai pas la moindre manière de devenir le Setsuna des légendes, mais je peux être le Setsuna qu'elle a aimé autrefois. Ce n'est rien d'autre qu'un petit mensonge blanc. Je peux le faire. Ce sera facile. Et je t'aime aussi. Mais pourquoi est-ce que je sens ces larmes piquer le fond de mes yeux? Merci. Je suis si heureuse. Elle a cette même intonation que si elle lisait les lignes d'un script. Ou comme si elle se forçait elle-même à lire une mauvaise fanfiction à voix haute. Je t'ai toujours aimé. Mais tout de même, mon jeu d'acteur est largement pire. Je ne peux tout simplement pas me comparer à elle. Elle a recherché la personne, le Setsuna, qu'elle aimait, pendant 5 ans. Et pendant tout ce temps, elle s'est battue face à un sentiment de solitude tenace, au point où elle s'est même retrouvée préparée à m'accepter moi comme substitut désormais. Désolé, je sais pas comment m'exprimer très bien. C'est presque comme l'histoire que Setsuna a écrit, hein? C'était cliché, plutôt incohérent et assez bas de gamme, franchement. C'était pas vraiment une super review. Oui, c'était pas super. Il ne savait vraiment rien de ce genre de choses. Qu'est-ce que j'aurais dit dans une situation comme celle-là, là? Il semblerait que tu n'aies aucune idée quant à ce genre de choses non plus, Setsuna. Les aventures d'un voyageur temporel venu du futur. Je me demande si le jeune Setsuna a terminé son histoire. Et qu'est-ce que la jeune Rinne en a pensé? Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit à des moments comme celui-ci. Rinne se met debout et se tient droit, s'étire. Est-ce que nous réussirons à trouver notre chemin vers la fin que nous nous imaginons tous les deux? Je ne le sais pas encore. Tout ce qui est certain, c'est que je suis ici et que Rin l'est aussi. Nous avons seulement besoin de profiter de ce moment. Je souhaite que nous puissions le vivre pour toujours. Mais le temps est sans merci. Il continue toujours de passer. Il se montre cruel à la fois vis-à-vis du passé et du futur. C'est probablement le commencement de la fin. À partir de ce moment, je vais commencer à disparaître de ce monde. Jusqu'à ce qu'au bout du compte, toute trace de ma présence vienne à s'évanouir. Mon nom sera tout ce qu'il restera, mais ça ira. Ça me va suffisamment. Setsuna. Absolument tout ce que je suis, je te le laisse. S'il te plaît, sauve cette fille. S'il te plaît, assure-toi qu'elle n'en vienne jamais à revivre cette tragédie. Quoi? De qui? De comment? De quand? De où? De la confusion est énorme. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà parce que c'est l'heure, et ensuite parce que je vais exploser en fait. Que se passe-t-il? Okay.
Je sais qu'on a énormément de flou encore, je sais qu'on a encore énormément de choses à découvrir. Je sais que c'est un jeu qui nous met au même stade de compréhension que le protagoniste, ce qui est plutôt cool. Il y a des moments comme ça, les dernières répliques de Setsuna, peut-être que je les ai juste pas comprises, hein, mais... Pourquoi est-ce que d'un coup il se met à demander à l'autre Setsuna de sauver Rin? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une manière de juste sortir de réplique pour montrer qu'il croit tout ce que peut dire Rin, y compris le fait de se voir comme une personne associée à cette légende, mais que lui-même ne soit pas comme, comme le Setsuna de la légende, hein. Peut-être. Et sinon, je me demandais aussi avec l'histoire de Rin, il y a un côté presque... Quand elle fait le parallèle entre le dialogue qu'ils ont quand ils se déclarent leur flamme et le roman de Setsuna qui parle comme par hasard d'un voyageur temporel, est-ce que tout ce qu'elle. Le fait qu'à un moment donné elle ait sorti plein d'éléments des autres routes, est-ce que ça viendrait aussi du roman de Setsuna? Est-ce que tous les flowcharts qu'on est en train de se construire, c'est le roman de Setsuna? Le roman d'un gamin? Il y a un monde où ça peut se diriger vers là. Hein. Je ne sais pas. Déjà, avant de partir là-dessus, il faudra qu'on voit comment la relation entre Setsuna et Rin va évoluer, parce que là, ils en sont à un stade où... où Setsuna joue le rôle, mais où tout le monde est au courant que c'est un rôle, même si on n'est pas forcément sûr, mais bon, imaginons. Que c'est le Setsuna de l'époque pour Rin, comme ça Rin n'a plus besoin de chercher quelqu'un, et... Et pour lui, c'est plus facile à remplacer que une figure de légende. Donc ça lui paraissait plus fantasque, visiblement. Mais du coup, est-ce qu'ils vont continuer de jouer ces rôles l'un pour l'autre? Est-ce que la relation va encore évoluer? Je pense que la relation elle va encore évoluer. Oh là là. Ça, ça a été un ensemble de scènes qui m'a stun, là. on sent que, enfin je sens en tout cas qu'on est dans une autre phase du jeu là. Dans une autre phase du jeu où on est dans la première phase où il a fallu faire un ensemble de contenus avant d'arriver à cette dernière. Je pense qu'il faut faire Karen et Sarah pour arriver jusque là parce que justement d'un coup, on se met à dropper des impressions du perso qui sont en rapport avec des choses vécues dans les autres routes. Les choses que Rin lâche aussi, il y a des rapports avec les autres routes, donc il se passe beaucoup plus de choses d'un coup qui viennent me stimuler pour essayer de me faire mettre des pièces de puzzle ensemble. Parce qu'on est dans une phase où, au niveau de l'écriture, ils sont partis du principe que on a déjà joué un minimum, on a déjà lu pas mal. Donc maintenant, on peut commencer à de leur côté, jouer avec tout ce que nous, on a déjà lu. Sans avoir à questionner de à quel point est-ce qu'on en a déjà lu, parce que de toute façon, on a forcément fait ces deux routes déjà. Mais on est en même temps encore sur de l'exposition, je pense. Hein. Je sais que ça peut paraître un peu fou de dire ça maintenant, alors qu'on a... J'ai fait je sais pas combien d'épisodes, mais... Je pense qu'on est encore dans l'exposition. Hein. Et là, ce Setsuna d'il y a 5 ans, un truc qu'on connaissait pas du tout. Même si on est sur un mélange, j'ai l'impression, entre l'assemblage de pièces, mais il y a trop de flou, il y a trop de pièces qui vont pas ensemble pour le moment de mon côté. Mais après, peut-être que c'est juste que je me souviens pas, hein, c'est possible aussi. J'ai jamais mangé Setsuna, globalement. Et en même temps, on ajoute des nouvelles pièces au puzzle. Donc je pense que je suis pas encore au stade où je peux vraiment... assembler des blocs et me sentir avoir un sentiment de conclusion sur ce bloc là du puzzle ou même de contentement sur ma compréhension. J'en ai éprouvé de temps en temps mais vraiment de manière assez éphémère, hein, comme par exemple le fait qu'on se dise ah d'accord les cabanes c'était pour le syndrome du fléau de Sui, et en vrai oula et en vrai même ça je suis pas sûr que ça suffise, parce que le côté chambre d'enfant, avec des visions qui, je crois, faisaient penser à Rinne à l'époque.
on n'y est pas encore. Hein. Qu'est-ce que c'est vraiment toutes les cabanes Pas sûr. Mais bon. Un petit peu de contentement en tout cas de, là-dessus, mais on n'est pas encore au stade où j'ai un contentement vraiment massif. Et où je me dis, ouais, je pense que j'ai compris cette partie-là du titre, de ce qui se passe sur cette île en tout cas. Et je peux du coup utiliser ce blob-là pour faire un effet boule de neige et comprendre l'autre. On n'en est pas encore là. Mais là, ouais, un million de choses qui sont passées, qui sont venues se rajouter dans ma tête, quelle vie. Bref. J'espère que cet épisode vous a plu. Ça a été assez fou. Il n'y a pas eu beaucoup de Setsunades en plus, donc plutôt cool. Mais les quelques Setsunades qu'il y a eu étaient... un petit peu trop chaudes pour moi. Hein. C'est toujours pareil, hein. C'est l'une des thématiques du jeu qui est assez, assez difficile. Hein. Au moins maintenant, le 16 ans, je le comprends avec le fait de se dire « Oui, ok, c'est l'âge où tu peux te marier, machin, donc... bon, j'en pense que j'en pense, mais très bien. » Et il y a Setsuna qui va toujours plus loin, quoi. Oui, il est en 13. Ok, bon bah, pro. On va faire comme si on n'avait rien entendu. Mais en tout cas, ouais, le ton est extrêmement mélancolique et assez sérieux, mine de rien. Même si on a fait un retour dans le temps. Donc à voir ce que ça donnera. Mais en même temps, on a fait un retour dans le temps, mais c'est le premier retour dans le temps qu'on fait et qui continue d'être une avancée pure et simple dans la progression du jeu. Bref. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la suite dès que possible. Comme à l'accoutumée, d'ici là, portez-vous mieux. Des bisous. Bye.